Ils existaient ensemble tout en ayant leur propre point de vue. C'était comme si la conscience des patients remplissait les vides pour créer leur propre réalité. Docteur Marcelo Jiménez. Êtes-vous fidèle à Mobius ? Bien sûr. J'ai fait mon choix. Oh là, c'est énorme, attendez. C'est énorme. Attendez, ah c'est ça, putain, c'est énorme. On commence au début d'Evil Within. Ça veut dire qu'elle était dans l'ambulance. What the fuck? C'est énorme. Oh, et on va jouer là? Oh là là, mais c'est excellent! Salut Toshidouxi! Attendez. Oh là là. Alors déjà, nous incarnons donc la petite Julie. Et ça fait plaisir de jouer une femme dans The, putain. C'est réellement cool. Donc là, ouais, regardez les crozes. Regardez. En fait, quand on a commencé Evil Within avec Castellanos, on avait juste à faire ça. À regarder dans l'ambulance. Et on aurait vu Julie du coup, parce qu'elle était là-dedans depuis le début. Ok. D'accord. Bon. Bah allons-y. Alors je sais pas si... Il y a rien du tout. Je sais pas s'il y a un système de gel, comme dans le jeu de base. Et bienvenue Wengi. Bienvenue à toi, Wengi. C'est excellent. Oh, un croc. Live jusqu'à 23h, on va essayer de le finir. Accident. Hein. J'étais pas seule. Où sont passés les autres? Ah, du sang. Toi qui disais qu'il n'y avait pas de sang, finalement, il y en a, hein, regarde. Ok, let's go. Toshi, tu m'as pas dit bonjour. Oh, bonjour, Kaishu, désolé. J'espère que t'as prévu de quoi te changer, sinon tu vas avoir des problèmes. Ah ouais? C'est-à-dire que ce DLC est flippant. Oh putain, mais hey, c'est la vache. C'est la vache du 1. Enfin, c'est la vache du jeu. On passe ici avec Castellanos. Sauf que nous, au lieu de continuer dans la forêt, on va aller là-dedans. Ok, let's go. Oui, je vais faire The Evil Within 2, We Rive. C'est prévu. Dès sa sortie. Oh la vache! La vraie inspecteur, ça roulisse trop loin! Oscar! C'est pas vrai! Merde! Wouh! Coup de talon dans la gueule! Ok, bah putain, ça commence fort. On est déjà blessé. On va faire ce DLC en chaise roulante, les creuses. Et bah dis donc. En tout Merde, cas, il faut que je sorte de là. Je la trouve jolie, Julie. Julie, jolie. Jolie Julie. Je la trouve classe. Franchement, je la trouve classe. Oh merde, on a deux choix. Gauche ou droite? On va aller à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Casier judiciaire de la KCPD. Donc il faut savoir que Julie, on apprend dans le jeu de base que Julie en fait était une infiltrée entre guillemets. Donc voilà, c'est pas du tout notre pote. Hein. Inscription casier supprimé. Inscription casier supprimé.
Ok, bon. Quasi judiciaire. Bon, il n'y a rien de spécial. Ok. Du coup, il n'y avait que ça, là, c'est tout? Ok. Alors, on n'a pas d'armes. On a que dalle pour le moment. Il y a comme une odeur de sang. C'est juste ton haleine. On n'y retourne pas. Oh là là. Restez en soutien. C'est pas vrai. Hé, où est Joseph? Merde, tu peux pas passer là? Ah ok. Bienvenue Joséphina. Bienvenue, bienvenue. Calme-toi, Leslie. Leslie, c'est le mal. Leslie. Flashback. Ok. Leslie Withers. Pardon? Ce n'est pas le moment de rêvasser. Concentrez-vous un peu. Cette affaire est très importante. Tout ce que nous faisons est important. Je suis prête. Je suis prête. C'est ce que j'espère, mais vous allez devoir nous en donner la preuve. Salut Joker. Comme je vous le disais, votre cible est Leslie Withers. C'est un patient de l'hôpital psychiatrique Beacon. Et un peu plus que cela. En bref, le STEM a besoin de lui pour fonctionner. Sans cet élément, nos recherches ne servent à rien. Je vous suis pas. Beacon est à nous. Il suffit d'aller le chercher. Nos relations avec son conseiller, Marcelo Jiménez, se sont détériorées. Ce garçon sera notre garantie. Jiménez compte mettre en marche un prototype du STEM à Beacon sans notre permission. Ce serait très inconvenant. Je vous le dis tout de suite, ce sera dangereux. Venez, suivez-moi. Les infirmières attendent. Ok, très bien. Oh, un chat! Oh! Il a les yeux rouges. Oh, qu'il est mignon. Mais... Salut, toi! What the fuck? D'où est-ce que tu viens? Ah! On nous propose une sauvegarde. Alors du coup, peut-être que le chat sera Betty. Non? Peut-être qu'en fait, Betty dans le jeu sera le chat dans celui-là. Pour sauvegarder. Je sais pas. Putain, mode de jeu, j'ai mis survie, c'est chaud, non? Survie, c'est pas un mode de difficulté... Non, je sais pas. Bref. Ok, bon, chapitre 1. Ok. Merde, j'ai vu survie. Je crois qu'on est dans la merde. Ok, bon. Bon, bon, bon. Bah, on est dans un bureau avec un chat. On peut marcher dessus. On sait pas qui était donc cette personne. Et notre mission donc c'est d'aller choper Leslie. Très bien. Wow. 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 Y a du monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es qui toi? Putain, ils ont pas de visage. Les crows, ils ont pas de visage, les gens. Oh là, ils me regardent en plus. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Salut toi! Toi non plus, t'as pas de visage! Ah non, t'as pas de visage. Incroyable! Tu as mis survie, on n'est pas dans la merde. Mais je sais pas comment on change le mode. Mais c'est pas grave, on va tenter. Hein. Eh. Peur de rien. Ok. Ouais, mais pour l'instant, j'aime bien. C'est.
C'est mystérieux. J'aime bien. Vous serez attiré dans le STEM si Jiménez l'active. Je doute qu'il le fasse. Mais au cas où, nous avons préparé une injection pour empêcher toute contamination. Eh, tu comme m'étonnes. Un vaccin pour me protéger. Plus précisément, pour vous dissimuler. Nous avons conçu le STEM, mais un intrus s'est glissé dedans. Une entité nommée Ruvik. Il veut nous empêcher d'entrer. Cette injection vous protégera dans une certaine mesure. Vous avez vu, les lumières se coupent quand le mec passe. C'est le diable. Et coucou Gali. Je dois y aller seul. Vous ne serez pas seul. Les autres inspecteurs vous accompagneront. Castellanos. Vous recevrez un appel signalant un accident à Beacon. Tout sera organisé. Ah ouais, d'accord. Mais leur rôle à eux n'a pas d'importance. En ce qui concerne votre mission, ils sont superflus. Putain, mais on en apprend carrément là en fait. On en apprend. Oh là là, c'est excellent. Venez, asseyez-vous. Ah, je pensais pas. Il nous faut ce garçon. Grâce à lui, nous pourrons tout changer. Je vous le ramènerai. Vous savez que l'échec n'est pas une option. La loyauté est un sujet délicat pour nous. La confiance est une ressource très précieuse de nos jours. Une fois encore, je vous le demande. Êtes-vous fidèle à Mobius ? Bien sûr. J'ai fait mon choix. Alors, prouvez-le par vos actes. Ne nous décevez pas. Maintenant, je vais compter. Quand j'aurai terminé, je vous poserai une série de questions. 10, 9, 8, 7, bye bye. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais maintenant vous poser quelques questions. Oh. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de confiance ? Oui, non, non, je sais pas. Libérez-moi. Il me fait penser à Satan dans Lucius, le perso. Un petit peu, ouais. J'aime pas voir ça, putain, c'est horrible. Les intraveineuses, je déteste ça. Ok. Donc là, on se réveille dans le... Oh, what the fuck, c'est quoi ça ? Betty ? Non ? C'est quoi ça ? Oh, ça fait flipper un petit peu quand même, hein. Ragnagna Girl. Eh hey ! Y'a quelqu'un ? C'est elle qui a dû laisser les traces dans la forêt, je pense, hein. Bon ? Ok, très bien. Bah allons-y, les Croz. C'est ça ton pire cauchemar, Toshi ? Et ça commence direct, premier sous-boss. Oh putain. Ouais, mais je m'en doutais que c'était un boss. Enfin, ça se voit. Ça se voit dans son regard. Bon. Très bien. Alors en fait, là, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas d'armes. On n'a pas de lampe. On a que dalle. On n'a rien. Putain, je suis en survie, quoi. Tu déconnes. Non, mais je vais crever, là. Je vais mourir. Je regarde. Je sais même pas s'il faut fouiller, en fait. Est-ce que c'est comme le... Oh, putain. Est-ce que c'est comme le jeu original où il faut trouver du gel pour acheter des compétences, tout ça, ou il n'y a pas dans ce DLC? Coucou, les Nobia. Oh, on a la lampe torche. Ah, nickel. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont passés? Ah ouais, non, ça a l'air carrément axé horreur.
très bien. Inspectons les lieux. Ragnagna Girl a encore fait des ravages. Bon, on peut pas brûler les corps. Ok. Là, je parierai pas sur mes zéro morts. On peut viser comme ça, c'est cool. Le bruit des talons. Ah bah là, on va en bouffer du talon. Nice. Du coup, on sait pas trop où on est là. On est dans un grand bâtiment. Aidez-moi. Hey. Il a pas de visage non plus. Salut Robin. Ruby, Robin Rose, Robin Rose, X. Bienvenue à toi. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Se mettre à couvert. Ah, ça c'est une nouveauté par contre. Ah, R a tiré l'ennemi. Hey. Oh. Les crows, il y avait pas ça avant. Hop. Par ici. Je suis là. Je suis là. Viens me tuer. Je suis là. Viens me tuer. Hey. Ok. Ah, ça c'est nouveau, c'est cool. Ah, j'aime bien. Merde, c'est fermé. C'est fermé de l'intérieur. Il y a peut-être une autre entrée. En gros, Toshi, tu es en perso qui sert à rien avec zéro arme et rien pour t'aider. Bah, j'ai l'impression. On a juste une lampe torche. Ça risque d'être compliqué, hein. Merde, putain, tout est verrouillé, quoi. Ah. Ok. Pourquoi il se met à gémir au moment où je me casse, là? Oh putain, il s'est basé. Ah, c'est juste la porte qui s'est fermée, ok. Vas-y, si tu arrives à la fin avec zéro... Bienvenue EMD77132. Oh lolo. Oh merde, j'ai pas vu. Ah. Oh putain. Il y aura un screamer là. Non. Oh. Ok, elle a tué le bonhomme. Putain, elle l'a pas loupé, hein. Oh là là. J'aime pas trop cette femme, moi. Vas-y, si tu arrives à la fin avec zéro mort, je te fais un don de 1€ parce que j'ai pas plus. Ça marche, We Rive. Ça va être compliqué, hein. Regarde, déjà lui, il aura pas de don. Regarde. Oh merde. Pas de soucis, Romy. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben... Ah, putain, on peut retourner dedans. Ok. Salut, don 111. Bienvenue. Très bien, bon. Ce pauvre homme a trépassé. On va continuer notre chemin. Oh putain. Eh, en survie, ça va être un truc de dingue. Hein. J'aime bien pour l'instant, putain. C'est pas mal ce DLC là. Oh la saloperie! Bien joué, Julie. Fais tout pour être discret, Toshi, je t'en supplie. Bah, on va faire... Merde, putain, c'est là d'où je viens. Je me perds déjà, il y a un couloir, je suis perdu. Excellent. C'est se mettre à couvert, flèche se déplace à couvert, jeter un œil, ok. Oh, ça sent la merde. R, appeler l'ennemi, oui, je sais, je viens de le faire. Alors, attendez. Là, on va se marrer. Ok. Y'a personne. Oh, lui, c'est un méchant. Mais c'est énorme parce que. Putain, les crows, on a aucune arme. Ça change totalement le jeu, là. On est clairement dans un survival horror, là. Mais clairement. On n'est pas du tout dans Evil Within, là. C'est un truc de dingue.
Ah, c'est elle. Oh putain, c'est elle. J'ai fait le con, je me suis levé, j'ai couru, je me suis fait griller direct. C'était moins une là. Là c'est... Oh putain, regardez. Oh putain, si ça c'est pas un clin d'œil. Ok. Ça c'est le... Ah, il y a un code. Ah oui, merde. Ah non, non, bah non. Alors c'est 8. 4. 6. 7. Non ? Ah mais non, je suis con, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Yo, Tortank HD83, bienvenue à toi. C'est l'inverse, je suis totalement débile. C'est du plus sale au moins sale, forcément. Voilà. Quel con. Morceau de lettre numéro 1. Alors, est-ce qu'on a un inventaire, quelque chose? Archive. Casier. Non, ça, on l'a déjà vu. On a rien d'autre? Catégorie. Ah, voilà, morceau de lettre. Alors, du coup, est-ce qu'on peut lire ou... Non, on peut pas lire, ok. On a un morceau de lettre. Ok, donc on peut se planquer dans les casiers comme le jeu de base. Très bien. Ça me va. Ok. Putain, j'ai peur de Ragnagna Girl, les crocs. J'ai vraiment peur, là. Oh merde, je crois qu'elle est là. Prends la bouteille. Prends la bouteille. Elle est où, cette pute? Oh, oh, merde, c'est un zombie. Allez, j'ai pété... Mais putain, j'ai pété la bouteille! Y'a personne! Putain, je l'ai pété la bouteille là. Il est bien fait. Allez, tire-toi mon pote. Ah, il va vérifier. Ah le bâtard. Ah le bâtard, je suis dans la merde. Non, viens pas par là. Dégage, retourne à ta place. Yes, c'est bien. Ouh. Ok. Ok, on est reparti les crozes. Putain, c'est tellement... Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok. C'est tellement... infiltration. Je sais pas comment dire ça. Ça a rien à voir avec le jeu de base. Hein. Pour le moment, en tout cas. Ah merde, il revient ici. R, appeler l'ennemi. Ah oui, je peux l'appeler, putain. Ok. Je suis là! Allez, fais le tour. Fais le tour. Yes. Oh, merci. Oh, t'es sympa, toi. Non ? Ah non, t'es pas sympa. Oh, le... Oh ! C'est bon. Oh, l'enfoiré, ma troll. Eh, il passe à gauche. Je vais vers la droite. Et il est à droite. Zéro mort pour l'instant.
Ça, c'est beau. Ouh, yes! Carte magnétique de bureau. Cette carte magnétique appartenait à un membre du personnel de Mobius. Elle semble tachée de son sang. Eh bien, je prends. Oh merde. Là-dedans. Oh merde. Quasi. Oh, je crois qu'il m'a vu là. Oh, ils sont deux. Non, 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 non. Oh. Tout. Elle est là-bas, je la vois. Ok. Ah, mais va plus loin, toi! Non. Y'a personne ici. Putain, elle fait flipper. C'est un truc de dingue. Ok. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là! Yes. C'est bon. Wouh! La vache. Bon, bah, continuons les creuses. On est plutôt bien parti pour le moment. On a un peu géré cette. Oh, y'a quelqu'un derrière moi. Quelqu'un derrière? Non. Statut de l'agent licencié. Autorisation. Va te faire foutre, je suis pas licencié. Hein? Licencié? Je pourrais peut-être forcer l'accès avec l'ordinateur. Analyse des données. Vas-y, analyse vite. Analyse! Ah, la blague. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah. Aïe aïe aïe. première mort. Alors attendez, parce que là... Comment je vais faire là? Avec sa lumière. Ah putain. D'accord, donc je... Ah, on peut faire apparaître des portes, putain. Excellent. Ok, on se retrouve donc ici. Mais j'y comprends rien. Eh, j'y comprends si que dalle. Si le système est activé, vous entendrez un son aigu. Ensuite, on ne pourra plus vous aider. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je peux seulement dire que ce sera perturbant.
Mais Leslie sera à vos côtés. Vous devez le trouver. Oh, oh, oh bah. Tout à l'heure. Trouvons-le, hein. Leslie, il est vraiment là. Ah putain, retourne au... Oh, c'est Leslie. Bon. Leslie ? Il faut que je le rattrape avant qu'il se fasse attaquer. Ok. Donc là, en fait, ouais, on est au... On est dans le lieu où on était dans le début, là, du DLC. Là où il y avait les gens sans visage. Sauf que maintenant, c'est tout pourri. Bon, on va essayer d'aller choper Leslie, écoutez. On va essayer d'aller la choper. De le choper. Oh ! Sauvegarde ! Toi, t'es ma sauvegarde. C'est toi, Betty. Hein, c'est toi, Betty. Regarde. Attends, si ce chat est là, c'est que... Regardez ! Qu'est-ce que je disais ? Nickel. Ok, bah on sauvegarde. Et puis on continue. Toshi guide touristique. Ah ouais. Oh ! C'est Leslie ? C'est pas les... C'est pas Leslie ! Oh, il a disparu. Attends, je suis pas fou là. Attends, parce que vu que j'ai une lampe magique, peut-être qu'il y a des portes qui vont s'apparaître, non ? Non. Putain, la caméra me suit. Eh, il y a des petits voyeurs là-dedans. Il y a des petits voyeurs. Je sais que... Ragnagna Girl est là-dedans. Donc je fais gaffe. Dès qu'il y a une bouche de d'aération qui tombe, attention. Ah, une bouteille, ça on prend. C'est notre seule arme dans ce putain de DLC, donc on fait gaffe. Toi, tu me bouffes pas le pied, ça au prix. On y va avec Rose. Ok, il y en a deux. Faut que je passe cette porte là-bas. Ok, très bien. Pas de soucis, on y va. Lui, il va nous choper le genou, je le sens. Oh là là. Ah ! Merde ! Mayday ! Mayday ! J'ai perdu le contrôle. Coucou les gars, ça va ? Tiens, salopard! Plus vite! Va plus vite! Va plus vite! Ah! Oh! Je vais crever. Je suis mort. Là, la carte. Attends. Il me faut une carte. La carte. C'est la carte? Vas-y, non. Mais dégage, salopard. Fais pas chier, non. Allez. Oui, non. Oui. Oui. Oh la vache, putain que c'est stressant, bordel. Oh. Wow. On l'a fait. Y'a quelqu'un là-dedans? Oh putain, y'a Rudy. Oh putain le con! Oh mais Ruvik, merde! Eh mais en fait, je me plaignais avec Castellanos quand on était dans le manoir et tout, mais elle, ce qu'elle a vécu, mais c'est 10 fois plus horrible que ce qu'a vécu Castellanos dans tout le jeu! On est d'accord les crozons? Eh! Ces recherches, c'est exactement ce que nous voulions. Je l'appelle
STEM. Je suis persuadé que vous et vos supérieurs en serez totalement satisfaits. Vous avez dit qu'il avait été conçu par l'un de vos élèves. Si c'est le cas, quel est votre rôle ? C'est... Ah merde, j'ai fait bugger le truc avec... Oh ! Non. Pas maintenant. Pas maintenant. Non. Non. Oh ! Oh non ! Non ! Je le sens. Putain, la porte vient de s'ouvrir. La porte vient de s'ouvrir. J'y vais ou pas? Ça sent moyen, non? Ah! J'ai eu un spasme, désolé. Ah! Deuxième spasme. Bon bah allons-y. J'ai rien à perdre. Ah, la porte aussi a des spasmes, on dirait. Bon. Très bien. Bienvenue, Mash 22420, bienvenue à toi. Bon, je passe comment, moi, là-dedans, là ? Putain, t'es trop grosse pour passer là ? Non, mais tu déconnes, là. Autorisette personnel online. Online. Bon, je suis du personnel, les crocs, ça passe. Hein. Bon, on va faire une petite pause ici, je pense. 22h, ouais. Hop, petite pause ici, les crocs. Et on se retrouve donc dans 5 petites minutes, comme d'habitude. A tout de suite. Let's go. C'est pas normal ce qui se passe ici. Oh ! C'est là où j'ai vu Leslie. Et ces deux-là, où est-ce qu'ils vont ? C'est Castellanos et Joseph. Ma main coupée que c'est eux. C'était eux. Statut de l'agent licencié. Contactez le service biométrie pour rétablir votre accès. Et bienvenue Victor Sweep. Pi et Beljawad 28, bienvenue. Ok, donc là je peux pas passer, c'est ça? Ok. Putain, on a vu Castellanos et Joseph. Énorme. Oh, un ascenseur, putain. Personne là-dedans? Putain, je suis phobique maintenant. Eh. Les ascenseurs dans Evil Within, à chaque fois qu'on est rentré dans un ascenseur, dans ce jeu, on a pris cher. Voyons voir si c'est le cas dans Assignment. Vous verrez des choses qui semblent irréelles, mais vous devez vous concentrer. Il vous faudra un moment pour prendre vos repères, mais vous y arriverez mieux que les autres. Ouais. C'est moi ou je parle à une ombre là? Let's go! Ok, on peut déjà aller ici. Putain, la dernière fois qu'on a tapé sur un ordi comme ça, il y a l'autre con qui est arrivé. On a chopé un truc. Elle est là. Veuillez aider le sujet à créer son profil facial, digital et neural. Attends. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne m'aider. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Oh là. Avec le compte désactivé, Julie Kidman. Restauration du profil. Oh, restaure vite, s'il te plaît. Oh lolo. Oh, ça sent la merde ici. Ok, est-ce que je peux monter là? Non. Ok, donc il va falloir que... je sais pas. On verra. On verra. C'est quoi ce bruit?
C'est elle qui fait ce bruit là? Et reste tranquille ma grande. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a eu un bruit. Je panique. Oh, c'est dégueulasse! Non! Non, 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 non! Oh putain! Profil digital créé. Veuillez à présent créer votre profil neural pour terminer votre authentification. Ah putain, faut pas que ça me suive. Hein. Faut pas que ça me suive. C'est quoi ces trucs? Oh! Il est peut-être aveugle. Ouais, bah j'espère bien, ouais. Oh, c'est dégueulasse comment ça se déplace. J'aime pas ça, moi. On dégage. Ils sont aveugles, Toshi fait pas de bruit. Ok, ça marche. Ouais, elle vient de le dire, donc... Ok, faut juste pas faire de bruit. Yes. Bye bye. Putain, on est tellement bon les creuses. C'est du génie là. Du génie. Salut Tanuki. On va finir par avoir le cancer avec tous ces scans. Correspondance avec le profil de l'agent licencié Julie Kidman. Cause du licenciement, insubordination. Ah ouais? Profil restauré, données envoyées au central pour analyse. Insubordination? Il doit y avoir une erreur. Enfin ouais, je devrais pouvoir ouvrir ces portes maintenant. Allez, faut qu'on sorte de là. Merde, je sais pas où je dois aller. L'ascenseur? Oh putain! Reste couché! Reste couché, j'ai dit! Yes, c'est bon. Ouh. Eh ben putain! T'as tous mes chats qui te regardent. Eh, je l'avais dit que les ascenseurs ça portait la poisse dans ce jeu. Ah non, c'est bon. Ok. Ah, le chat. Comment tu vas, toi? Je viens pour sauvegarder. Ah, pour le coup, j'ai pas donné de nom au chat. Je sais pas comment l'appeler. Je suis vraiment étonné que dans ce DLC, on a aucune arme. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, j'étais pas... Je m'étais pas du tout renseigné sur ce DLC. Et pour moi, ça allait être comme le jeu, quoi. On allait avoir des armes, on allait tous les défoncer. Mais non! Incroyable. Ah, on l'a appelé Kuro. Kuro, comment tu dis ça? Kuro ou Kuro? Kuro-san. Ah bah on y est du coup. Oh Castellanos, putain. Mais on l'a pas joué ça je crois dans le jeu de base. On l'a pas joué ça. Oh putain. Tu vas te réveiller c'est ça? Ouais. Non. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais saloperie! Un petit coup de talon! Kuro, ouais, c'est Kuro. Hein. Dans la salle des serveurs. Kuro-san!
Allez, on attend l'ascenseur tranquillement. Et allez, je m'en doutais. V'là l'autre conne. Oh putain, je m'en doutais. Ça sent pas bon là. Ah, ça sent la mort là. Faut que je fasse quoi du coup, ok. Oh mais laisse tomber mon gars. Mais c'est... Alors tu vas aller où maintenant? Là? Alimentation établie à 50%. Oh putain, c'est... J'ai baisé! Yes! Merci de laisser cet appareil aussi propre que vous l'avez trouvé. Notre lieu de travail est toujours accueillant, grâce à vous. Ouah. Yes! Oh putain, ça va. Eh, ce moment-là... Non mais laisse tomber, quoi. Oh mon dieu. Ah c'est bon. Toujours aussi bon tout chier, bah merci. Hein. Et le talent. Ah on entend Joseph. Ah ils sont là. Oh les gars. Non. Putain mais c'est ouf, c'est-à-dire que dans le jeu tu... Dans le jeu tu... Bah tu la vois jamais en fait. Elle est à 2 mètres de toi mais tu la vois pas. Putain ils sont là. Les gars. C'est le moment. De dire coucou. Ok, sois convaincante. Inspecteur, je suis là, je vais bien. Sébastien, Joseph. Je crois qu'ils t'entendent pas. Mobius. Alors, ils vous envoient chercher le garçon. Et vous les croyez? Réfléchissez un peu. Vous êtes aussi superflu que vos partenaires. Tout comme je l'étais. Yo, Vita. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Vous serez moins loyal quand vous saurez la vérité. Est-ce que ça va? Oh! Excellent! Ne préférez-vous pas ignorer des choses qui vont sans aucun doute vous perturber? Chapitre interminé. Ok. Putain, ce chapitre était très long. La vache! On va continuer. Oh, c'est bien ficelé, j'aime bien, c'est bien foutu. Bon, j'y comprends rien, mais c'est bien fait. Oh.
Joseph ! Joseph ! Merde ! Où il est passé ? Ok, nous voilà dans le... je sais pas où. Chapitre 2, Gouvergence. Convergence. Il se débrouillera tout seul. Je dois me dépêcher et trouver Leslie. Très bien, allons-y. Coucou, je suis là. Bon, ils s'en battent les couilles. Là. Nice. Ah, c'est une bonne question, ça. Il y a combien de chapitres, les Crows, dans ce DLC? À mon avis, il doit y en avoir 3, pas plus. Hein. Et Yon Tony! Bienvenue, Anthony. Il s'appelait Ruben Victoriano. Mais il existe maintenant la personne de Rubik dans l'encéphale du STEM. Ruben était brillant. Il a conçu le système entier à lui tout seul. Mais nos intentions étaient contradictoires. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est plus un problème. Les conséquences d'une confiance mal avisée. D'accord. Rubik, il sait que je suis là. Oh oh, il y a un truc sous l'eau, il y a un truc dans l'eau, il y a un truc invisible. Qu'est-ce que c'est que ça là encore? Oh, il y a une hache. Oh putain, on va avoir une arme. On va avoir une... Ah, c'est les... Ah, c'est l'invisible. C'est l'invisible du jeu, sauf que là on peut les voir avec la lampe. Oh, c'est excellent. Je l'adore, Julie. Je l'adore. Je prends la hache direct. Attaque furtive. Ouais, vas-y. Oh! Prends-toi ça, salopard! Et là. Bienvenue, Charlotte! Attends 2 secondes, Charlotte. Attends 2 secondes! Tiens, salopard! Yes! Nickel! Vous voyez que c'était pas dur, les Crows. C'était très simple. Bon, par contre, je suis pas du tout habitué aux commandes de la manette, donc ça va être un fiasco. Hein. Je vous préviens. Y'a quelqu'un là? Non, c'est moi qui ai juste marché sur le mort. Ok. Il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Nos sujets meurent. Ils meurent brusquement après être sortis du STEM. Les yeux remplis d'horreur. Bienvenue, ceux Titan. Ceux qui survivent restent catatoniques, tellement incohérents qu'on ne peut pas les interroger correctement. Nous n'avons rien fait qui pourrait expliquer ce changement. Ça vient probablement de la conscience collective croissante au sein du STEM. Ces patients ne supportent pas une exposition prolongée. Il nous faut des sujets plus sains qui pourraient purger le système. Le système n'est pas viable dans son état actuel, ce que Mobius n'acceptera pas. Cette fois, je suis le seul responsable. Le nouveau prototype est presque prêt à Beacon. Dès qu'il sera terminé, je le convertirai au système sans fil. Même si les expériences du STEM original tournent mal, je prouverai ma valeur à Mobius avec cette nouvelle génération. Ok. Très bien, mon pote. Je veux la même. Allons-y. Oh, une caisse à péter. Oh, première caisse qu'on pète. C'est bon, ça. Ah, ça sent le boss ici, non? Ça sent la merde un peu, là, non? Oh là là. Oh putain, ça sent les invisibles ici. On fait gaffe. Ah bah, si on serait vraiment dans le STEM, ouais. Ah oui. On serait totalement... Couché, sale bête! Je vais te défoncer à coups de tampon, tu vas voir. Ok. Putain, je suis pas à l'aise à la manette, les Crows. Je vais enlever la manette. J'ai trop été habitué au clavier souris à ce jeu. Donc je vais éteindre la manette.
Et on va reprendre au clavier souris. Voilà. Ah, je préfère. Rien de tel qu'un clavier souris. Ok. Il vient de faire un câlin, lui. Oh là là, que c'est bon. Et que c'est bon. Putain! Oh! 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 On a eu chaud. On a eu chaud. Leslie ne fera pas long feu s'il est par ici. Je dois absolument... Attends, on a un flingue? Ah mais non, on l'a pu. Oh non! Je veux mon flingue. Je suis dégoûté. On n'a pas le flingue. Bon, on continue avec Rose. En parlant des autres... Comme je vous l'ai dit, ils sont superflus. Ils n'ont aucune incidence sur cette mission. S'ils s'avèrent gênants, vous savez quoi faire. Oh, Kuro-san. Yes. C'est un flingue jetable, c'est ça ouais. C'est pas le moment de faire des gratouilles, t'en auras plus tard. Si on arrive à survivre, bien sûr. Non mais je suis sûr qu'à la fin du DLC, il y aura une connerie comme quoi on garde le chat. Ou il meurt. Dans les deux cas, soit il meurt, soit on le garde. Bienvenue, chiffre numéro. Bienvenue à toi. On dit bonjour. Saloperie. Oh, énorme, ça y est, on voit enfin Joseph. Joseph, vous êtes vivant. Vous aussi, heureusement. Vous avez vu Sébastien ? Non. On devrait peut-être retourner le chercher. Non. Enfin, commençons par sortir d'ici et ensuite on s'occupera de Sébastien. On peut ouvrir cette porte ? À nous deux, ça m'étonne. Joseph, faites attention. Ça ira. Vite, essayez de trouver une autre sortie. Mais m'abandonne pas, Joseph ! Bon, il est où ce putain de chat? Il vaut mieux de se dépêcher. Cherchez comment sortir d'ici. Ah non, ok, lui il me couvre, ok. C'est à moi de trouver. Ok, très bien. Bon, là il y a une étoile déjà. Oh, c'est énorme, mais... Eh, mais attendez, mais ça regroupe... Enfin, ça... Oh, mais c'est un truc de malade ce DLC. C'est exactement le moment où on les entend tirer. Où on entend tirer Joseph. D'accord. Oh! Kuro! Nickel, mon pote! T'arrives pile au moment où j'ai besoin de toi.
Toshi, c'est quoi ton jus? Alors, c'est du Volvic Juicy édition limitée au jus de goyave. Sponsorisé, bien sûr, par Volvic. Hein. Vous vous dissipez. Je vous avais pourtant prévenu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ruvik vous a vu. Il se nourrit de vous. Mais nous avons un problème plus urgent. Cet inspecteur. Joseph n'est pas un problème. Il ne se doute de rien. Il est superflu, je croyais avoir été clair. Supprimez-le. C'est un ordre. Mais quelle salope! Tuez Joseph. Ça ne m'aidera pas à retrouver Leslie. Méfiez-vous de lui. Il vous trahira. Et les autres aussi. Regardez son ombre. Ils sauront ce que vous faites. Vous étiez prévenu. Vous êtes faible, Kid. Et vous nous décevez beaucoup. Vous n'êtes pas blessé? Yeah! Sébastien, si on la soulève, Kidman pourrait passer en dessous et l'ouvrir de l'autre côté. On compte sur vous. Je m'en souviens de ce moment. C'est bizarre. Pourquoi vous capturez au lieu de vous tuer? Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui? Je sais qui vous êtes. Je ne vous laisserai pas l'emmener. Vous auriez dû suivre les ordres, Kid. What? C'est Toshi, Duxi. Oh oh! Putain, je vais me battre contre lui! Tu déconnes! Ah, il me faut la manette! Il y a une hache! Je vais vous tuer, Kidman! Il me faut une manette! Attendez, j'allume la manette! Merde, ce con il se rapproche! Vite, allume-toi, putain de manette! Saloperie de manette! Dépêche-toi! Allez! Oh! Sortez de là! Il y a une hache? Elle est où la hache? Je vous tiens! Ah merde! Ah salopard, il me faut la hache, vite! Là, c'est quoi ça? Non, faut que j'aille là-dedans? Je sais pas. Faut que je cours? Oh c'est bon ça! C'est bon ça! Les creuses. Je crois que je le sens bien là. Oh merde. C'est vous, Kidman. Vous voilà. Merde, il m'a grillé. Il m'a grillé. Oh, il me tire dessus, ce con. Elle a pas pu aller bien loin. Eh, c'est stressant. Fait, là. Ok. Allez, continue ta route. Continue ta putain de route. Joseph, continue. C'est un ordre. Bien joué, Joseph. Je sais tout sur vous, Kidman. Je sais qui vous êtes. Moi aussi, je sais quitter. Moi aussi, je sais quitter. Allez. Yes! Oh le bâtard! Merde! Il me faut une hache! I need a fucking hache! Merde, non! Aïe! Elle a pas pu là. Aller bien loin. Yes! Vous voilà! Elle a pas pu aller bien loin.
Il est là. Mais va te faire foutre! Yes! Yes! Ah, je suis désolé, Joseph, hein, mais... Pourquoi vous me forcez à faire ça? Yes! Bordel, Joseph! Vous n'auriez pas dû vous en mêler! Y a-t-il des péchés dont vous avez honte? Putain, on l'a eu, les choses! Easy! Putain, il a pris cher, Joseph, hein. Tintin. Et nous revoilà. Attendez un peu. Cette maison. Non, c'est pas possible. La maison de Resident Evil 7, on dirait. Ça y ressemble. C'est quelle maison ça? Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Je vais plutôt aller par là, moi. Hein? On n'a rien vu. On n'a rien vu, les creuses. Wow. Ah, mais oui, je connais. Ah, mais c'est la maison. Énorme. C'est la maison où on pouvait pas rentrer. J'avais envie de rentrer dans cette maison, je me souviens. Bon, on l'a fait. Ok. C'est le marché. C'est le marché du village. Leslie, stop. Okay. Bah du coup je reste à la manette, putain j'ai... What the fuck, la c'est quoi ce délire? La regardait la statue illuminée au centre de la ville. On aurait dit qu'elle pleurait pour toutes les vies gâchées là-bas. Ok. Encore? Ah c'est bien là. Le village de Outlast 2 en moins dégueu. Ah, il en manque une. Il en manque deux même. Oh putain. Ah, il y en a une là-bas. Il y en a une là-bas, on y va. Ok. Oh là là, qui fait sombre d'un coup, mon dieu. Je le sens mal. Qu'est-ce qui va se passer là? Attendez. Un fragment de mon passé. Ça vient sûrement du stem. Ah le voilà. Toi, tu viens par là, mon pote. Ok. Dans ma poche. Oh oh. J'entends un bruit. Bruit suspect en vue. Trop calme, exactement. C'est pas normal. Ok, on va mettre le troisième, les crosses. Je sais pas du tout pourquoi on fait ça. Je sais pas. Ok, 2, 3. Il y en manque un. D'ailleurs, je sais pas du tout comment. Où est le dernier? Ah mais c'est ça, putain, on dirait la tête de... Ouais, non mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est la tête de Ragnagna Girl, c'est ça. C'est cette tête. Donc du coup, j'imagine que la dernière pièce manquante, ça va être sa tête. Donc va falloir la vaincre. Je le vois trop bien, ce truc. Utilise la torche, Toshi. Oh! Non! Énorme! Putain! Oh. Alors là, Tekaiku, je crois que j'aurais jamais trouvé si tu me l'aurais pas dit. Hein. J'aurais cherché pendant 20 minutes une tête. Ça aurait été tout moi, ça. Bah, nickel. On continue. Bon, du coup, on arrive dans les catacombes là. What the fuck? Dans la vie, on cherche toujours un endroit où on se sent en sécurité, un foyer où on peut toujours revenir. On imagine cet endroit dans notre esprit et on y est attiré. Vous aviez un foyer, mais il est maintenant ici, avec nous.
J'ai pas très envie de vivre avec une ombre. Ragnagna girl. Oh non, on va retomber sur la... Oh putain, Y'a Sama. Qu'est-ce que tu fous là? Il est bizarre ce chien, il aime les cadavres et il aime les prêtres. Oui, je sais, t'as faim. Regarde, y'a de la bouffe là. Tu peux y aller, moi je sauvegarde. Mon petit Kuro. Allez, grouille-toi, Leslie, putain, ouvre. Yes. On a eu chaud. Il est là. Yes. Je t'ai enfin trouvé. Ils t'ont pas fait de mal. Il devient trop fort. Je peux pas partir. N'aie pas peur, Leslie. Comment je vais nous sortir de là? L'église? Pitié, église. D'accord. En route. Reste avec moi. Je te protégerai. Direction l'église, les creuses. Ah putain, on est avec Leslie. Ah bah enfin. Donc tu es un homme, c'est ça? C'est bizarre, dans ma tête t'es une meuf, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, t'as une dégaine de meuf, regarde. Franchement, on dirait plus un mec ou une meuf. Sans que vous sachiez que c'est un mec, hein. Franchement. Regardez, on dirait une femme. Et il porte un prénom de femme aussi, what the fuck là. Franchement. Pour moi c'est une nana ça. Pour moi c'est une nana, hein. Regardez. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais franchement ils se ressemblent quoi. Regardez. Non, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. T'as mal été fait, Leslie. T'as mal été fait. Un androgyne. Ça doit être ça, ouais. Oh là, attention, Leslie. T'es sûr que tu veux passer devant? Parce que là, on sent moins. Oh putain de merde. T'as mangé un truc qu'il fallait pas ou? Ah, on dirait bien, ouais. Bah tiens, il y a un coin là-bas. Vas-y, je t'attends. Je sais pas ce qu'il a bouffé, Leslie, mais... Il a pas l'air bien. Allez, suis-moi. Un peu de sport. Ça te fera pas de mal. Regarde, Leslie. C'est plus très loin. Du coup, direction l'église. Je sais pas ce qu'on va faire là-dedans. Mais on y va. Ça a l'air d'être important. Nickel. J'étais à la manette. Nous voilà dans l'église. Dommage. L'église. Peur. De mal. Tout va bien. Je suis là. Personne ne va te faire de mal. On doit rester ensemble. C'est le seul moyen. Il est là. Ruvik, qu'est-ce que vous me voulez? Vous, je m'assure que vous... Ouais, j'ai un flingue. C'est quoi ce bordel? J'ai un flingue. Tout comme moi. Tu déconnes là. À ce qu'il soit en bon état. Reculez. Il vient avec moi. Oh, mais j'espère bien. D'où j'ai un flingue? Inutile de vous rappeler les conséquences si vous échouez. Vos supérieurs ne sont pas les seuls à compter sur ce garçon. Vous avez besoin de lui pour vous échapper. Tout comme moi. Nous sommes leurs pions, puis leurs victimes.
Ils m'ont tué. Révélation ! Ils m'ont découpé et récupéré ce qu'il leur fallait. Je vais détruire ce qu'ils veulent contrôler. Révélation ! Révic. Arrêtez ! Laissez-le ! Il est mon hôte. C'est moi qui le contrôle. Je sens un conflit d'intérêts. Quelle est votre mission exactement ? Vous croyez vraiment qu'il ne voit pas ce que vous faites ? Il vous surveille. Guide. Dans les campagnes, dans les villes. Qu'est-ce que vous faites, Kid? Vous devez nous ramener le garçon. Non! Je ne peux pas! Si Leslie sort de là, Revic le suivra! On ne sait pas de quoi il est capable! Je ne peux pas le laisser faire! L'allégeance ne vous autorise pas à prendre ce type de décision. Ceci n'est pas un comportement acceptable. Vous allez nous ramener ce garçon. Oh ! Bienvenue, West ! Bienvenue. Vous pouvez toujours courir, Kid. Oh. Vous ne vous échapperez pas. Comme tous ceux qui vous osaient nous défier, nous vous retrouverons. Mais il est grand ? Revenez, Kid. Vous avez une mission. Mais il est grand ? Pourquoi il est grand comme ça ? On dirait le Slender. C'est le Slender ! Vite! Non. Vite! Arrêtez. Vite! Laissez-moi tranquille! Oh putain, le con! Oh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! À gauche! À gauche! À gauche! Arrêtez de n'en faire qu'à votre tête. Suivez nos ordres. Non! Ah merde! Oh putain. Revenez, Kid. Vous devez nous ramener ce garçon. C'est pas fini là. Attends. C'est pas fini là. Vous avoir tous au même endroit nous fournira des opportunités. Bienvenue, Denise. Je ne vous crois pas. Plus maintenant. Non. Elle vient avec nous. Je vais la former. C'est ma responsabilité. Écoute, Seb. Il faut qu'on parle. Ça devient ridicule. Mais tout va s'arranger grâce à cette machine. On pourra poursuivre les expériences. Certaines choses doivent rester cachées. Beacon. J'espère simplement pouvoir y arriver avant lui. Attention avec cette arme, Kid. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce qui doit être fait. Oh, et ça nous tease le deuxième DLC. Bonus de fin, nouvelle partie plus, peut maintenant être sélectionné depuis le menu principal. Bon, avec Rose, on va se refaire tout le DLC en partie plus, donc c'est parti. Vous pouvez maintenant choisir le mode Kurayami en sélectionnant nouvelle partie. Oula.
Voilà, ça doit être un mode bien hardcore, non? Eh ben écoutez les Crows. Bah fin du coup. Fin. Voilà. Fin. Bah du coup on aura plus de réponses dans le deuxième DLC. The Conséquences. Et d'ailleurs je me suis planté, j'ai pas acheté le DLC Conséquences, j'ai juste acheté le DLC. Et bienvenue Connor. Connor Neslor, Rod, bienvenue. J'ai juste acheté le DLC qu'on vient de faire là aujourd'hui. Assignement, mais j'ai pas acheté le DLC Conséquences. Je sais pas combien il coûte. Il doit coûter 5 balles, hein, c'est rien. Donc voilà, faut que je l'achète. Ensuite, on le fait en live. Sur ce, les Crows. Bah merci d'être venu, ça aurait été un peu court, mais bon. On aura au moins fini ce DLC. Du coup, bah je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'être venu. Merci d'avoir suivi cette fin de DLC. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.